Grenade, Séville, Cordoue, Tolède. Autant de cités aux noms évocateurs. De hauts lieux de la culture et de l'érudition, de la littérature et de la musique, dotés d'un patrimoine architectural et artistique inestimable, qui témoigne d'un passé prestigieux. L'Espagne a ceci d'intéressant que pendant une longue période, les chrétiens, les musulmans et les juifs se sont trouvés confrontés les uns aux autres dans leur quotidien. Dans cette succession de configurations politiques très différentes, on a cessé de réinventer des formes d'expression culturelle extraordinaires. Phénomène unique dans l'Europe médiévale, les trois principaux monothéismes doivent coexister au sein d'une même société. Cette période, qui va durer près de 8 siècles, est parfois appelée en espagnol « convivencia ». Mais cette cohabitation n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a constamment des conflits et les Juifs sont sans cesse pris pour cible. Il y avait des martyrs, des exécutions, des trahisons. Tout n'était pas parfait. C'était une époque de tolérance, plus que de réel pluralisme. Mais il y avait là une ouverture à la différence, qui était exceptionnelle s'agissant du Moyen-Âge. Cette culture unique sera nommée par une poétesse européenne l'ornement du monde. L'âge d'or d'Al-Andalus commence dans un palais syrien aux portes de Damas. Au 8e siècle, la dynastie des Omeyyades, qui règne sur le monde musulman, est menacée. Elle est renversée en l'an 750 dans un bain de sang. Après la mort du prophète Mahomet en 632, les Omeyyades ont porté l'influence de l'islam aussi loin qu'ils le pouvaient et conquis un vaste empire. Avec le renversement de cette dynastie, ce sont désormais les Abbassides qui exercent le pouvoir spirituel et temporel. Mais les Omeyyades n'ont pas dit leur dernier mot. Le califat est dynastique, de sorte qu'un descendant risque de réapparaître un jour en se présentant comme l'héritier légitime du prophète. Les Abbassides décident donc d'éliminer tous les membres de la maison des Omeyyades. Les Abbassides convient leurs ennemis à un banquet dans un apparent geste d'apaisement. Les Omeyyades, affaiblis, acceptent. Mais c'est un piège. À ce stade, une forme de réconciliation paraît encore possible. Les Omeyyades font profil bas dans l'espoir d'être épargnés. Mais au cours du repas, les Abbassides tirent leurs armes et massacrent presque tous les Omeyyades présents. En l'espace de quelques minutes, quasiment tous les hauts dignitaires Omeyyades sont tués. Seul un jeune prince, Abdelrahman, parvient à échapper au massacre. Le récit de sa fuite est parvenu jusqu'à nous. Ce qui est extraordinaire, c'est que son histoire est relatée à la première personne. À un moment donné, il raconte : « Nous avions dressé le camp près du fleuve. Mon fils vint me voir en pleurs et je lui dis : « Sois fort, tu es mon fils. » Mais derrière lui, j'aperçus les étendards noirs des Abbassides. Il rapporte ensuite qu'il emmène son fils et son jeune frère jusqu'au fleuve pour fuir. Portant son fils sur le dos, il commence à traverser le cours d'eau.
Son frère le suit, mais il a du mal à nager et il craint de se noyer. Il finit par faire demi-tour. Depuis la berge, la cavalerie abbasside lui fait signe de rebrousser chemin en lui criant « N'aie crainte, tu es en sécurité avec nous ». Pendant ce temps, Abdelrahman rejoint la rive opposée, pose son fils et se retourne pour aller chercher son frère. Il l'aperçoit de l'autre côté, avec les abbassides. Et il raconte qu'il voit sa tête tomber dans l'eau. Les abbassides l'ont immédiatement décapité. Pour Abdelrahman, plus question de revenir en arrière. Les Abbassides sont déterminés à ne laisser en vie aucun Omeyyade de haut rang. Abdelrahman devient l'homme le plus recherché de l'Empire islamique. Le jeune homme, âgé de 20 ans, met le cap à l'ouest et traverse l'Afrique du Nord. Il veut rejoindre la tribu de sa mère, une concubine berbère. Il a donc de la famille et des liens tribaux chez les berbères. Lorsqu'il atteint ce qui est aujourd'hui Tunis, la tribu l'accueille et lui offre sa protection. Une fois arrivé là, il n'a pas l'intention de vivre caché jusqu'à la fin de ses jours. Il est jeune et il a été élevé dans l'idée qu'il peut prétendre au califat. À ses yeux, les Abbassides ne sont pas les successeurs légitimes du prophète. C'est lui qui doit devenir calife. Mais pour devenir calife, l'héritier du califat des Omeyyades va devoir quitter le continent africain. Depuis la rive du détroit de Gibraltar, il aperçoit la côte de la péninsule ibérique, aujourd'hui le sud de l'Espagne. En l'an 711, les armées islamiques ont conquis ces territoires sur les Visigoths chrétiens, lui donnant le nom d'Al-Andalus. Officiellement, ce territoire fait partie du califat islamique, dont la capitale est d'abord Damas, puis Bagdad. Mais si loin des centres du pouvoir, il bénéficie d'une relative autonomie. Les partisans d'Abdelrahman le poussent à aller prendre le pouvoir en Espagne sous domination islamique. Mais les risques ne sont pas négligeables. Est-ce qu'il vaut mieux pour lui rester en Afrique du Nord et ouvrir une tannerie? Ou écouter ces gens venus d'Espagne qui voient en lui l'héritier légitime et qui lui disent « Viens nous gouverner en Espagne. Avec le nom que tu portes, tu es un authentique prince omeyyade. » Comment résister à ça? Ses proches lèvent une petite armée pour lui, il traverse le détroit et gagne la péninsule ibérique. Il règne alors une certaine confusion dans l'Espagne islamique. Les émirs se succèdent au pouvoir. Sur le papier, la région appartient aux Abbassides. Mais on est très loin du siège du califat. Et Abdelrahman parvient sans difficulté à vaincre leurs forces sur place. Pour finir, il conquiert Cordoue, entre dans le palais et se proclame émir. En arrivant à Cordoue, Abdelrahman trouve une cité un peu endormie et sur le déclin, avec des murs qui tombent en ruine et un pont écroulé. Les habitants s'accommodent de l'état de leur ville, car ils manquent de moyens financiers pour y remédier. Mais Abdelrahman connaît Damas. Il sait à quoi doit ressembler une ville digne de ce nom. Il s'emploie donc à faire de Cordoue une nouvelle Damas. Cordoue dispose de bases solides. Ses rues et ses aqueducs, ainsi que d'autres vestiges de la présence romaine qui sont certes en piteux état, mais toujours présents.
Pour un prince de Damas qui a l'œil, cette ville a du potentiel. Après la conquête de Cordoue, Abdelrahman se comporte comme tout Omeyyade qui se respecte. Il fait construire un nouveau centre pour la ville, et ce nouveau cœur est une mosquée. La grande mosquée de Cordoue est bâtie sur les fondations d'une église qui a accueilli de nombreuses générations de chrétiens romains, puis wisigoths. On a pu établir avec une relative certitude qu'ils ont d'abord loué l'église avant d'acheter les murs. Abdelrahman contemple ce site et décide de prendre les ruines du défunt empire romain pour ériger sa nouvelle grande mosquée. Elle comporte une multitude de colonnes surmontées de chapiteaux qui proviennent d'anciennes constructions romaines et ont été récupérées dans la campagne alentour. Ces réemplois forment un élément essentiel de son architecture. Dans une mosquée hypostyle, on a un espace indifférencié sans idée de hiérarchie. Il n'y a pas d'autel réservé à un prêtre, pas d'image du Christ qui signale un endroit particulièrement important. À la place, on a une grande salle dans laquelle les fidèles viennent prier et sont théoriquement à égalité. Tout le monde a la même valeur aux yeux de Dieu, même le calife ou l'imam qui guide la prière. Cette forêt de colonnes illustre bien l'esprit d'une communauté dans laquelle la religion est pratiquée d'une façon très démocratique. La construction de la grande mosquée dans le centre de Cordoue ancre solidement l'islam au cœur du nouveau royaume. Mais Abdelrahman prévoit des aménagements pour ses sujets juifs et chrétiens. Sans aucun doute, les Omeyyades considèrent les chrétiens et les juifs d'Espagne comme des sujets, une population soumise à leur autorité. Mais dans une conception sage du pouvoir, il n'est pas souhaitable de contrarier les populations locales et de se les mettre à dos, au risque de provoquer de l'instabilité et des rébellions. Ils adoptent donc, en quelque sorte, une attitude non interventionniste. Abdelrahman met en application un principe du droit islamique établi par Mahomet plus d'un siècle auparavant, la dhimma. En présence de communautés de juifs ou de chrétiens, Mahomet a pour principe de ne pas les forcer à se convertir. Du moment qu'ils se soumettent, il leur garantit une protection. Ils peuvent pratiquer leur religion librement, moyennant certaines restrictions. Ils n'ont pas le droit de faire de prosélytisme, d'occuper des postes à la place des musulmans, de leur donner des ordres ou encore de construire de nouveaux lieux de culte et de répandre leur religion. Pour le reste, ils peuvent exercer leur foi dès lors qu'ils versent à la collectivité un impôt spécial en signe de soumission. On est très loin d'une société pluraliste dans laquelle tout le monde cohabiterait en paix. Il faut payer un certain prix pour être autorisé à vivre au sein de la civilisation musulmane. Et de ce fait, on assiste à un curieux phénomène d'acculturation. Les chrétiens et les juifs conservent leur religion, mais ils assimilent la culture islamique. Ils parlent et écrivent en arabe, et ils mangent comme les musulmans. Ils adoptent les pratiques du groupe dominant. Pour la population juive, l'introduction de la dhimma représente une nette amélioration comparée à leur statut au temps des souverains chrétiens. Les Wisigoths, qui régnaient sur l'Espagne avant l'arrivée des musulmans, traitaient les juifs très durement. Des règles strictes encadraient ce qu'ils avaient le droit de faire dans l'espace public. Et ça se résumait à très peu de choses.
Au cours de leur règne, les Wisigoths se sont montrés de plus en plus intraitables. Les Juifs étaient visés par de nombreuses restrictions juridiques concernant la propriété foncière, les métiers qui leur étaient ouverts, le mariage ou encore le patrimoine qu'ils pouvaient posséder. Tout cela limitait énormément leur marge de manœuvre. Les Juifs ont sans doute bien accueilli ce changement de régime. D'une minorité méprisée et opprimée jusqu'alors, ils deviennent une communauté à part entière. Ils peuvent mettre à profit leur instruction, leur érudition et leur tradition d'enseignement pour s'intégrer dans la culture politique et le pouvoir omeyyade. Du moment que les Juifs et les chrétiens acquittent leur impôt personnel en temps et en heure, et qu'ils acceptent d'être des citoyens de seconde zone dans un pays musulman, ils peuvent participer comme ils l'entendent à la vie économique et religieuse, ainsi qu'aux activités de la collectivité. Et ils ne s'en privent pas. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard la convivencia, cette merveilleuse collaboration des religions et des peuples qui caractérise Al-Andalus. La convivencia, c'est-à-dire la coexistence, la cohabitation. Ici, les trois principaux monothéismes vivent dans une même société et une même culture. Ce mode d'existence va contribuer à la grande prospérité de l'Andalousie, dont Cordoue devient la capitale flamboyante. L'islam poursuit sa montée en puissance dans la péninsule ibérique. Au point qu'en 929, près de deux siècles après l'arrivée d'Abdelrahman Ier à Cordoue, un événement majeur bouleverse le monde musulman. Allahu Akbar, En ce vendredi de janvier, les croyants se rassemblent comme à l'accoutumée pour la prière dans la grande mosquée. Mais ce jour-là, l'émir Abdelrahman III fait une annonce inattendue. Il se proclame calife, souverain temporel et spirituel de tous les musulmans. En faisant de Cordoue la capitale de l'islam, Abdelrahman III se présente comme le véritable commandeur des croyants, en tant que descendant des premiers princes omeyyades. Il se place ainsi explicitement en rivalité avec la dynastie des Fatimides, qui règne en Afrique du Nord, et celle des Abbassides à Bagdad. Il déclare « J'ai courbé l'échine devant les Abbassides de Bagdad ». Mais en vérité, notre empire est un califat tout aussi légitime. Mais il ne suffit pas de se proclamer calife pour être reconnu comme tel par les musulmans de Perse, par exemple. Pour être crédible, il doit agir en calife et bâtir une capitale digne de son statut et de son titre. Sous le règne d'Abdelrahman III au Xe siècle, Cordoue devient la plus grande ville d'Europe. Des infrastructures viennent améliorer la qualité de vie des Cordouans, rues pavées, système d'éclairage public et eau courante. L'eau courante métamorphose la ville, qui devient plus propre. Les habitants disposent de bains publics et peuvent se laver quand ils le souhaitent. Un réseau d'égouts souterrains permet d'évacuer les eaux usées. On a du mal à imaginer une ville médiévale sans la puanteur qui va avec. C'est le signe d'un niveau de vie exceptionnellement élevé. Les étrangers remarquent d'ailleurs ces éléments lorsqu'ils arrivent à Cordoue. C'est une ville dont la beauté s'adresse aux cinq sens. Le bruit se répand un peu partout que c'est une ville somptueuse. Pour ses habitants et pour les visiteurs venus de l'Est ou du Nord, Cordoue apparaît vraiment comme le centre du monde civilisé. Roswitha de Gandersheim, religieuse et poétesse allemande, ne se rendra jamais elle-même à Cordoue.
Mais les récits qui circulent à son sujet l'incitent à qualifier la ville d'ornement du monde. Ce splendide ornement du monde scintille au Ponant. C'est une noble cité, connue depuis peu pour ses prouesses militaires. Son nom est Cordoue. Elle est prospère et célèbre, connue pour ses délices et rayonnante de faste. Non loin de la ville, Abdelrahman III fait bâtir une cité palatiale somptueuse, la Madina al-Zahra, où il installe le siège de son pouvoir. La Madina al-Zahra est bâtie sur un versant de colline, et de là-haut, le regard englobe un vaste panorama. Cette situation a bien sûr son importance, car elle symbolise le pouvoir exercé par le calife sur son territoire. Il ne fait pas construire un simple palais, mais un vaste complexe regroupant plusieurs demeures et mosquées, ainsi que des jardins. C'est une cité immense. La splendeur du palais va inspirer les poètes pendant des générations. Il est doté de fontaines ornées de petits animaux sculptés qui déversent l'eau dans les bassins. À l'époque, la capacité de maîtriser la nature confère pratiquement une aura divine au souverain. Par exemple, le fait de contrôler l'eau, en la faisant passer par des kilomètres d'aqueducs ou de petits canaux, jusqu'à ce qu'elle ressorte par la bouche d'animaux sophistiqués, ornés d'or ou de pierres précieuses. Ces aménagements sont une marque de goût et de luxe, mais aussi la démonstration d'une puissance considérable. Cordoue rayonne dans tous les domaines. C'est aussi un lieu de savoir doté de riches bibliothèques. Leurs collections supplantent de loin celles que l'on trouve à la même époque dans les monastères ailleurs en Europe. Le prestige de la ville repose entre autres sur les fonds extraordinaires de ses bibliothèques. La légende dit que l'on trouve à Cordoue pas moins de 400 000 volumes. On n'a aucun moyen de savoir si ce chiffre est exact. Mais il reflète en tout cas une certaine réalité, à savoir qu'il s'agit d'une culture qui accorde globalement une place importante au livre. Le règne d'Abdelrahman III représente le point culminant de l'éclat et de la puissance de Cordoue. Mais l'étoile des Omeyyades commence déjà à pâlir. Le souverain s'éteint en 961. Après la mort de son fils et successeur seulement 15 ans plus tard, le trône revient à Hicham II, un enfant de 11 ans. S'il porte le titre de calife, il n'est en réalité qu'un pion. C'est son ambitieux vizir qui exerce effectivement le pouvoir. Connu sous le surnom d'Al-Mansour, le victorieux, il devient de fait un souverain absolu. Al-Mansour est un personnage intéressant. C'est un véritable despote. Pendant un temps, il prétend gouverner au nom du calife, mais en réalité, il prive celui-ci de ses pouvoirs. C'est une figure autoritaire à bien des égards. Al-Mansour tient lui aussi à accroître l'influence de Cordoue et fait agrandir la mosquée. Mais c'est également un chef militaire qui mène des raids dans les territoires chrétiens. La péninsule ibérique n'avait pas connu une politique aussi agressive depuis les premiers temps de la conquête islamique. Pendant toute cette période, l'Espagne est divisée en trois zones. Le sud est musulman et le nord est composé d'un certain nombre de principautés chrétiennes. Entre les deux, le centre de la péninsule est une sorte de no man's land où les rares implantations humaines subissent constamment des raids en provenance du nord et du sud. Avec Al-Mansour, ces incursions deviennent des attaques en règle contre le nord chrétien. Et il les multiplie. Et ce qui est plus grave, peut-être du point de vue des conséquences à long terme,
Al-Mansour se réclame de l'idéologie de la guerre sainte, du djihad. Al-Mansour est le premier dans cette histoire à accorder une place centrale à l'idéologie religieuse. Il conçoit ses attaques comme une campagne islamique et antichrétienne. Ses offensives incessantes affaiblissent son armée et il lui faut constamment du sang neuf pour tenter de venir à bout des royaumes du Nord. Al-Mansour décide de faire appel à des mercenaires d'Afrique du Nord, des guerriers berbères. Ces berbères doivent être payés. C'est le principe, les mercenaires travaillent contre rétribution. Jouant avec le feu, Al-Mansour rémunère ses troupes grâce aux butins issus des pillages. Il s'enhardit au fil des victoires et jette son dévolu sur l'église de Saint-Jacques-de-Compostelle, un important lieu de pèlerinage chrétien dans le nord-ouest de l'Espagne. En 910, les premiers pèlerins traversent les Pyrénées pour gagner Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans les années qui suivent, ils arrivent en flux continu depuis la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Les fidèles viennent se recueillir sur un tombeau attribué à l'apôtre Jacques, ce qui fait de l'église de Compostelle l'un des lieux les plus saints de la chrétienté. En 997, Al-Mansour lance une expédition particulièrement audacieuse contre la petite ville de Galice. Il dérobe les cloches de l'église de Saint-Jacques et oblige des prisonniers chrétiens à les porter sur leurs épaules jusqu'à Cordoue. Et là, il en fait des luminaires pour la mosquée. Ces cloches sont un symbole important de la chrétienté. Les musulmans ont leur minaret, d'où le muezzin appelle à la prière. L'équivalent pour les chrétiens, ce sont les cloches. En les confisquant ainsi, il affirme la supériorité de l'islam sur le christianisme. C'est la maîtrise des ondes qui est en jeu. Qui contrôle les sons que l'on entend? L'appel à la prière ou les cloches ont fini par représenter l'ascendant d'une religion sur l'autre. En tout, Al-Mansour mène une soixantaine de campagnes triomphantes contre le Nord chrétien. Mais cette série de victoires va bientôt prendre fin. La conséquence, c'est qu'après 25 ans de razzia, d'enlèvement contre rançon et de pillage, les souverains de Galice, de Léon, de Castille, de Navarre et de Catalogne, qui étaient comme chien et chat, décident d'unir leurs forces. Pour combattre les chrétiens, Al-Mansour doit recruter de plus en plus de mercenaires. Mais ces berbères sont partisans d'un islam plus strict que la majorité des musulmans d'Andalousie. Ils rejettent le mode de vie trop matérialiste de leurs coreligionnaires. Le faste et la richesse d'Al-Andalus créent au sein de la communauté islamique une division politique qui n'existait pas auparavant. Une nouvelle crise de succession vient compliquer encore la situation. Jusqu'à sa mort, Al-Mansour parvient à maintenir la fiction de la légitimité de son pouvoir, alors même qu'il n'est pas un Omeyyade. Mais lorsque son fils prétend à son tour reprendre le titre de calife, les habitants de Cordoue s'insurgent. En 1010, tandis que la ville sombre dans le chaos, les mercenaires berbères attaquent la Madina al-Zahra, emblème à leurs yeux de la dérive somptuaire d'Al-Andalus. Imaginez ce qu'ont trouvé les pillards en arrivant au palais. Ils ont dû être complètement abasourdis en découvrant tant de luxe. Toutes les surfaces étaient recouvertes de stucs sculptés et les sols étaient pavés de marbre fin aux mille reflets. Un vrai bijou. Et ils l'ont mis à sac. La destruction de ce trésor architectural marque la fin de la dynastie des Omeyyades et de la grandeur de Cordoue.
Au début du XIe siècle, Al-Andalus se trouve à l'aube d'une nouvelle ère. Le XIe siècle constitue une période merveilleuse et paradoxale. La situation politique est désastreuse. Le califat est dissous et remplacé par une série de cités-États, les taïfas. Elles s'affrontent entre elles tout en combattant les royaumes chrétiens du Nord. Mais ce chaos politique s'accompagne aussi d'un soudain épanouissement culturel. C'est le début de la phase la plus brillante de la présence musulmane dans la péninsule ibérique. Les nouvelles cités indépendantes se font concurrence. Cette émulation génère un accroissement de l'activité marchande et renforce encore la convivencia. Le pluralisme, qui est une caractéristique essentielle d'Al-Andalus, se met vraiment en place à cette époque-là. En lieu et place d'une cour unique et centralisée, on a désormais tout un ensemble de cités-États rivales. Ces différentes cours sont en compétition pour attirer les chanteurs, les poètes, les artistes et les écrivains. C'est un peu comme Athènes, qui, au plus sombre de la guerre du Péloponnèse, voit émerger Sophocle et Aristophane. Les périodes d'instabilité politique donnent souvent lieu à des productions littéraires et artistiques extraordinaires. C'est le cas des taïfas. La musique en particulier s'épanouit sous la forme de chants en arabe, classique ou andalou. Ils se sont transmis jusqu'à nos jours, de génération en génération. D'autres formes artistiques connaissent elles aussi un essor inédit. Le XIe siècle est celui des grands penseurs et écrivains de l'Espagne médiévale. La plus célèbre de ces figures du monde arabophone est Ibn Hazm, auteur de très nombreux ouvrages et polémiste féroce. Son homologue juif est Samuel Ha-Nagid, auquel l'opposent d'ailleurs de violentes polémiques. Après la chute du califat, ces deux grands intellectuels fuient Cordoue. Les deux grands noms qui émergent de l'effondrement de Cordoue sont d'une part Ibn Hazm, un musulman, et Samuel Ha-Nagid, un juif, qui tente de faire carrière au milieu de cette désolation. Les deux hommes ont beaucoup en commun, mais leur vie ne pourrait être plus différente. Ibn Hazm naît en 994 dans une famille riche et influente. Il est le fils d'un fonctionnaire haut placé et espère dans un premier temps marcher sur les pas de son père. Mais la chute de Cordoue réduit ses projets à néant. Dans ses jeunes années, il est relevé de ses fonctions et emprisonné. Il finit par se retirer de la vie publique alors qu'il est encore dans la force de l'âge. Il va se consacrer à l'érudition et se livrer à une forme d'agitation intellectuelle en dénonçant tout ce qui ne va pas à ses yeux dans l'islam en Andalousie. La prospérité s'est émuée en désert stérile, la compagnie des hommes en solitude effrayante, la beauté en pleine semée de décombres, la quiétude en obstacle terrifiant. Une fois en exil, Ibn Hazm devient un écrivain philosophe itinérant et irascible. Il a des mots très durs et amers à l'encontre de tous ses ennemis. Pourtant, on se souvient de lui pour un livre sur l'amour, un merveilleux ouvrage intitulé « Le collier de la colombe ». Je souffre d'un mal que les médecins ne peuvent guérir.
et qui m'attire inexorablement vers la source de ma perte. J'ai consenti au sacrifice, tué pour son amour, avide comme l'ivrogne qui absorbe le vin mêlé de poison. Impudiques étaient ces nuits. Pourtant, mon âme les aimait au-delà de la passion. C'est un livre qui décrit les différentes façons dont on peut tomber amoureux. Comment, où, quand, pourquoi. En même temps, l'auteur évoque aussi la perte. Il y mêle des réflexions assez explicites sur la tragédie qu'a été la perte de son premier amour, mais aussi celle de Cordoue. L'ouvrage est traversé d'une certaine nostalgie. Ces pièces surchargées d'inscriptions, ces boudoirs ornés qui brillaient autrefois comme le soleil et dont la beauté suffisait à chasser la tristesse. Elles sont à présent comme les mâchoires ouvertes de bêtes sauvages qui rappellent l'évanescence de ce monde. Il décrit son désarroi face à des ruines qui étaient autrefois un somptueux palais ou une magnifique demeure. Tout a été rasé. À ses yeux, Cordoue n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une ville sublime qui n'est plus. Mes yeux versèrent des larmes. Mon cœur fut meurtri. Ma poitrine se serra devant ces pierres et mon âme n'en fut que plus tourmentée. Il ne s'est jamais remis de la fin de l'hégémonie des Omeyyades. Jusqu'à la fin de ses jours, il a erré sans jamais réussir à se fixer quelque part, ni à accepter son propre exil. Son amertume n'a cessé de croître. L'exemple d'Ibn Hasm illustre ce paradoxe. Malgré cet essor de la poésie au XIe siècle, c'est une époque très difficile pour les musulmans. Rien ne viendra jamais réparer la perte du califat, la perte de cette unité et de cette stabilité politique. Le rival d'Ibn Hasm, Samuel Hanagid, va connaître un tout autre destin. Il doit lui aussi partir en exil après la chute de Cordoue et se réfugie à Malaga, sur la Méditerranée, pour y prendre un nouveau départ. Samuel Hanagid est un intellectuel brillant et un grand styliste de la langue arabe. À Malaga, il commence par ouvrir une boutique d'épices. Selon la légende, sa réputation dépasse très vite son commerce. La servante du copiste du roi est envoyée chez lui pour acheter des épices. Quand elle se rend compte du talent de cet homme pour le calcul et l'écriture, elle en parle à son maître, qui fait à son tour remonter l'information. C'est ainsi qu'il se fait connaître, en bien, naturellement. Les qualités de Samuel Hanagid arrivent aux oreilles du souverain de Grenade, qui le convie à sa cour. Grenade fait partie des taïfas apparus après l'effondrement du califat. Une concurrence intense l'oppose aux autres cités-États en matière politique, économique et culturelle. Le roi de la Taïfa de Grenade se trouve dans une position délicate. Il est face à plusieurs factions musulmanes rivales, dont aucune n'est assez digne de confiance à ses yeux pour administrer son royaume ou exercer des responsabilités. La solution qu'il imagine consiste à nommer un juif au poste de vizir. Jamais un fonctionnaire juif n'avait eu autant de pouvoir. À ce poste, Samuel Hanagid n'a de compte à rendre qu'au roi. «
C'est très inhabituel. En droit islamique, les non-musulmans ne peuvent normalement pas occuper une fonction de pouvoir et gouverner les musulmans. Pourtant, c'est précisément ce que fait Samuel Hanagid à Grenade. Dans l'un de ses poèmes les plus célèbres, il se décrit en général d'une armée islamique. Mon ami, dans ma détresse, le rocher s'est dressé. C'est pourquoi je loue le Seigneur par mes vers. Il a vu la peur dans mon cœur et l'a effacée. Mon chant est pour le guérisseur qui allège ma douleur en accablant mes ennemis. À celui qui m'objecta, qui es-tu pour lui rendre hommage en ces termes? Je répondis, je suis le David de ma génération. La poésie composée par Samuel Hanagid est profondément novatrice. Il reprend la métrique et les rimes arabes pour les transposer en hébreu. Il fait sortir la langue sacrée de la synagogue pour la faire entrer dans les salons, les vignobles et les jardins. Samuel Hanagid annonce l'âge d'or de la nouvelle poésie hébraïque. Le regard dans la nuit et ses étoiles, dans l'herbe et ses insectes, je sais dans mon cœur que ce fourmillement est l'œuvre d'une sagesse supérieure. Vois, les cieux ressemblent à une tente, tendue par des boucles et des crochets. Et la lune, avec ses étoiles, est pareille à une bergère avec son troupeau paissant dans un pré. Tandis que nous nous installons dans nos vies, comme des bêtes en leur étable généreuse, nous fuyons notre terreur de la mort, telle la colombe en vol, le faucon, mais nous finirons comme des assiettes brisées en mille éclats et poussières. Samuel meurt de mort naturelle en 1056. Fait inédit dans l'histoire juive, il transmet ses fonctions à son fils Joseph, qui devient à son tour premier ministre de Grenade. Joseph a hérité de tous les talents de son père, mais il lui manque une de ses qualités, l'humilité. Un défaut qui va avoir des conséquences dramatiques. Un titre de vizir a de quoi monter à la tête. Il n'est donc pas surprenant que Samuel Hanagid ait composé un poème qui dit « Je suis le David de ma génération ». Mais il était beaucoup plus humble lorsqu'il s'adressait à un musulman de son rang et a fortiori à la famille royale. Ce n'était pas du tout le cas de son fils. Joseph n'a pas la finesse politique de son père, car il est arrogant. Le mot revient souvent. Les classes les plus pauvres sont mécontentes de la place importante qu'occupe la communauté juive. Et ce ne sont pas les seuls. Le simple fait que des juifs s'élèvent dans la société fait naître un nouveau discours critique sur leur pouvoir. Un soulèvement de grande ampleur doublé d'un carnage finit par avoir lieu. Joseph est tué et la communauté juive massacrée. Nous sommes en 1066. C'est la première fois dans l'Espagne médiévale que les musulmans se livrent à des violences d'une telle gravité à l'encontre des juifs en tant que tels. L'histoire d'Al-Andalus est jalonnée d'insurrections, de révoltes et d'assassinats qui, pour la plupart, ne visent pas spécifiquement les Juifs. En un sens, la personnalité de Joseph catalyse le ressentiment de la population contre les Juifs. Sa communauté est une cible facile. Mais sous l'angle plus restreint de l'histoire des Juifs, ils ne font que renouer avec la situation précaire, par définition, d'une petite minorité. L'explication la plus plausible est celle de la soupape de sécurité.
Si l'Espagne médiévale parvient à exister avec ses contradictions, c'est au prix de ces petites explosions périodiques. Il faut dire aussi qu'en dépit de ce massacre, vers la fin du XIe siècle, les Juifs considèrent que c'est une époque qui leur est globalement favorable. C'est l'idée qu'a formulée le diplomate Asda ibn Shaprout au milieu du Xe siècle. Cordoue et Al-Andalus sont le centre de l'univers, le plus bel endroit sur la terre pour les Juifs et les autres. Cette opinion a encore cours au XIe siècle. Mieux vaut en tout cas être juif au sein d'une société islamique que dans le Nord chrétien. À la fin du XIe siècle, ces royaumes chrétiens du Nord gagnent en influence. Ils convoitent désormais Tolède, une taïfa particulièrement puissante. Elle est conquise en 1085 par Alphonse VI, le roi de Castille et Léon. Ce n'est pas une cité ordinaire. Elle revêt une importance symbolique particulière aux yeux des chrétiens. Il s'agit de reconquérir l'ancienne capitale des Visigoths. Cet événement marque un tournant dans l'histoire de l'Espagne médiévale, parce que c'est la première grande cité-État islamique conquise par les royaumes chrétiens en pleine ascension. Alphonse parvient à mener à bien ce changement de pouvoir en évitant un bain de sang. Le souverain musulman de Tolède, affaibli par les conflits qu'il oppose aux taïfas rivales, remet de son plein gré les clés de la ville au vainqueur en échange de sa grâce. Les Castillans sont éblouis par la richesse culturelle de Tolède. Les Castillans sont issus d'un univers rude, assez primitif et monoculturel. Ils découvrent à Tolède une ville qui fourmille d'autres langues, d'autres religions, et où même les chrétiens sont différents. Tolède n'a pas d'équivalent dans le nord de l'Espagne. C'est une cité cosmopolite où l'on trouve des marchandises venues du monde entier, avec une riche tradition d'érudition et d'instruction. Pour les nouveaux maîtres de la ville, c'est un choc culturel. Alphonse VI prend le titre d'empereur de toute l'Espagne. Alphonse va maintenir le statu quo. Il offre aux Tolédans des garanties en matière de liberté de culte, comme l'avaient fait les musulmans auparavant. Le souverain a changé, mais la culture de Tolède reste la même. Mais les musulmans des royaumes voisins voient dans cette prise de pouvoir une menace immédiate. Les dirigeants des autres taïfas s'alarment de la conquête de Tolède par Alphonse VI, parce qu'elle marque un changement de paradigme. Il n'était pas rare de perdre une bataille et de devoir verser un tribut à un autre souverain. Mais jusqu'alors, ils avaient toujours réussi à se maintenir et à conserver la main sur leur territoire, dans une certaine mesure. La conquête de Tolède modifie cet équilibre. C'est une évolution beaucoup plus radicale qui menace leur autonomie politique. Alphonse VI rassemble son armée à Tolède en vue d'attaquer un nouveau royaume de Taïfa, Séville, gouverné par l'émir Al-Mutamid. Celui-ci évalue soigneusement la situation. Face au rouleau compresseur d'Alphonse VI, Al-Mutamid, le plus puissant des rois de Taïfa qui règne sur Séville, fait un choix discutable. Il demande l'aide des Almoravides, une dynastie musulmane qui règne au Maroc, de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Ces berbères aguerris ont conquis une grande partie de l'Afrique du Nord.
Les Almoravides incarnent une branche de l'islam réformatrice et particulièrement puritaine. Ils émergent sous la forme d'un mouvement religieux avant d'acquérir un pouvoir politique. À leurs yeux, les musulmans andalous sont dépravés. Et leur faiblesse militaire et politique est en partie due au fait qu'ils se sont éloignés des préceptes de l'islam et qu'ils négligent la pratique religieuse. Le fils d'Al-Mutamid lui déconseille de nouer une alliance avec les Almoravides. Mais l'émir ne voit pas d'autre solution. Je ne tiens pas à ce que mes descendants voient en moi celui qui a livré Al-Andalus en pâture aux infidèles. Et pour ma part, j'aime encore mieux être chamelier en Afrique que porcher en Castille. Dès leur arrivée, les Almoravides terrassent les forces d'Alphonse VI. Le choc est d'une violence inouïe. Le champ de bataille sera baptisé plus tard Al-Zalaka, c'est-à-dire terrain glissant, en raison des quantités de sang versées ce jour-là. On peut dire que les Almoravides sauvent provisoirement Séville. Mais ils ont vu la ville et ils ont compris que c'était une proie facile. This is a place that's ripe for the picking. Quelques années après avoir vaincu Alphonse VI, les Almoravides traversent à nouveau le détroit. Ils ne sont pas là pour aider Al-Mutamid ou les Taïfas, mais pour les renverser. Al-Mutamid demande de l'aide, à qui cette fois ? À Alphonse VI, le porcher en personne. Et plus remarquable encore, celui-ci accepte de lui prêter main forte pour repousser l'assaut destructeur des Almoravides. Mais il est trop tard. Séville et ce qui reste d'Al-Andalus sont conquis et deviennent une sorte de colonie des Almoravides. De plus, Al-Mutamid est fait prisonnier. Il sera bientôt envoyé au Maroc, où il croupira en prison jusqu'à sa mort. Le règne des Almoravides repousse de plusieurs siècles la reconquête de l'Espagne par le monde chrétien. Mais la nouvelle dynastie au pouvoir introduit des changements. Les Almoravides sont porteurs d'une culture plus rigoriste et austère d'un point de vue religieux, avec une nette tendance légaliste. C'est cela qu'ils imposent à Al-Andalus. Aux yeux des Almoravides, l'islam espagnol est dans un état déplorable. Il est corrompu et amolli, et il laisse une place trop grande à la convivencia, qui pour eux est un gros mot. Concrètement, c'est plus ou moins le retour au clivage religieux et la fin de cette participation de tous à une culture commune raffinée faite de musique et d'art. Tout ce qui faisait la particularité de l'Andalousie au sein du monde musulman. Lorsque les Almoravides prennent le contrôle du sud de l'Espagne, de nombreux juifs, chrétiens et même musulmans fuient vers le nord. À Tolède, la diversité et la tolérance religieuse sont encore à l'ordre du jour. Mais la convivencia est bientôt en danger, là aussi. Cette fois, la menace vient d'un courant chrétien particulièrement zélé qui prend exemple sur le reste de l'Europe. Le christianisme ne prévoit pas de traitement spécial pour les minorités. On n'a pas une idée précise de ce qu'un État chrétien doit faire ou peut faire avec ses populations. Sauf en Espagne. Le reste de la chrétienté tombe des nues. Vous plaisantez, les chrétiens aux côtés des juifs et des musulmans. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ce phénomène fascine beaucoup de monde, mais c'est une bizarrerie au sein du monde chrétien. Au XIe siècle, cette bizarrerie est remise en cause de façon croissante dans les hautes sphères de l'Église. On se méfie des mozarabes, les chrétiens espagnols qui ont adopté depuis le VIIe siècle la langue et la culture arabe, tout en restant fidèles à leur foi chrétienne.
Le pape Grégoire VII, grand pape réformateur, défend une orthodoxie religieuse très stricte. À ses yeux, les mozarabes ne sont pas des chrétiens héroïques qui ont supporté l'occupation pendant 400 ans sous l'autorité ennemie, mais des hérétiques. Les mozarabes possèdent leur propre culture religieuse et leur tradition liturgique, auxquelles ils tiennent. Leur liturgie, le rite mozarabe, est encore pratiquée de nos jours dans une chapelle de la cathédrale de Tolède. Mais au XIe siècle, des pressions sont exercées sur le roi Alphonse VI afin qu'il force les mozarabes à adopter le rite romain. Les chrétiens de Tolède le prennent très mal. Ils possèdent une identité et une culture à part qu'ils ont à cœur de préserver. Ils s'opposent à toute réforme de leur pratique cultuelle. Ce conflit embarrasse beaucoup le roi Alphonse, qui a des obligations vis-à-vis du pape. Certaines chroniques racontent que le souverain décide alors de trancher la querelle en faisant appel au jugement de Dieu et à l'ordalie par le feu. Au Moyen-Âge, le jugement par les armes ou par le feu est souvent un moyen de déterminer la vérité dans une situation donnée. Pour savoir quel est le rituel qui doit prévaloir, il jette dans les flammes les deux livres liturgiques. Celui qui en ressortira intact sera l'élu de Dieu. Le livre correspondant au rite romain prend tout de suite feu. À l'inverse du rite mozarabe, qui ressort intact. C'est une anecdote farfelue, mais elle témoigne de la puissance des résistances locales. Le consensus est tellement fort que c'est le rite mozarabe qui sort vainqueur de l'épreuve. Les nouvelles autorités politiques et ecclésiastiques ne parviennent pas à venir à bout de l'attachement populaire à cette tradition religieuse. L'histoire du christianisme n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est au contraire une succession de querelles régionales et philosophiques au sein même de la communauté. Ce qui est intéressant dans l'Espagne médiévale, c'est que ce contexte particulier pose un défi pragmatique à la forme romaine du christianisme. À mes yeux, c'est aussi ce qui fait l'importance de cette période historique. Elle permet de contredire le mythe d'une conception monolithique de la foi chrétienne. Au début du XIIe siècle, l'essor intellectuel de Tolède a des répercussions profondes sur le reste de l'Europe. On assiste au XIIe siècle à un renouveau de l'érudition dans certains centres, en France et en Angleterre. Mais ce qu'on redécouvre alors, c'est essentiellement le savoir romain, car l'accès aux textes grecs reste très limité. Après la chute de l'Empire romain, la plupart des ouvrages scientifiques et philosophiques de la Grèce antique sont tombés dans un relatif oubli en Occident. Mais on peut encore les trouver dans les bibliothèques de Tolède sous la forme de traductions en arabe réalisées plusieurs centaines d'années auparavant. Une école de traduction avait vu le jour à Bagdad au IXe siècle, avec pour mission de traduire en arabe les ouvrages importants hérités de la Grèce antique, qu'ils soient médicaux, scientifiques ou philosophiques. Ces trésors ont ensuite été copiés et diffusés dans l'ensemble du monde musulman, y compris en Afrique du Nord, et ils sont ainsi parvenus en Andalousie. Des lettrés de Londres ou de Paris se rendent compte qu'il y a en Espagne des bibliothèques où l'on peut lire Aristote. Mais pour cela, il faut connaître l'arabe.
Cet intérêt pour les manuscrits grecs fait naître une demande de traduction en latin, une langue plus familière aux Européens. Elles sont souvent réalisées par des Juifs qui ont fui vers le nord. Une bonne partie de ces traductions sont réalisées, semble-t-il, avec une étape intermédiaire. Une première personne traduit oralement dans une langue relais, le castillan ou l'hébreu, puis une deuxième en latin. Cette vaste campagne de traduction et de diffusion à partir de Tolède et d'Al-Andalus nourrit ce que certains historiens appellent la Renaissance du XIIe siècle. C'est à partir de l'Espagne que le patrimoine intellectuel de l'Antiquité grecque et romaine est transféré de l'islam vers le monde chrétien. Les Européens s'intéressent tout particulièrement à l'œuvre d'Aristote. Au XIIe siècle, on s'appuie beaucoup sur les commentaires de Moïse Maïmonide, grand philosophe juif, pour comprendre les textes antiques. On consulte aussi les commentaires d'Aristote, écrits par Ibn Rushd de Cordoue, intellectuel musulman, théologien et juriste, plus connu en Occident sous le nom d'Averroès. On peut difficilement lire Aristote sans commentaire, car ses écrits ne sont pas limpides. Ce sont des textes complexes, et Averroès semble les avoir compris avec une acuité particulière. Les gens qui s'intéressent alors à la philosophie ne commencent pas par dire « Je veux lire par moi-même Aristote, ce grand philosophe antique ». Ils veulent plutôt comprendre Aristote. Pour ce faire, le plus simple est de consulter ses commentaires savants qui expliquent et analysent sa pensée pour en donner une interprétation authentique. Loin de se limiter à un rôle subalterne, Averroès est donc une autorité reconnue qui guide la compréhension de ces textes. Averroès veut combler d'une manière islamique le fossé entre la foi et la raison, la révélation et la philosophie. On pense à l'époque que la philosophie va à l'encontre de la révélation. Ce qu'Averroès essaie de comprendre, c'est pourquoi la philosophie peut dire une chose et la révélation tout son contraire. Il cherche à concilier les deux et il finit par souscrire complètement au canon de la raison. C'est une position mal vue par les théologiens de l'islam. Voilà pourquoi Averroès est tombé en disgrâce et n'est plus très étudié dans le monde musulman. Chez les chrétiens, à l'inverse, il ne cesse de gagner en renommée. Thomas d'Aquin, philosophe et grand théologien catholique, se fait son pourfendeur et veut montrer que la raison et la foi se complètent mutuellement. Au fil des décennies, Tolède attire de plus en plus d'érudits. Mais ce rôle pivot dans la transmission du savoir antique n'est pas sans conséquences. Le mouvement de la traduction est toujours cité pour illustrer la convivencia, comme une façon de réconcilier deux camps. Mais il a aussi bien d'autres conséquences, comme en témoigne l'exemple de Pierre le Vénérable. En 1142, Pierre le Vénérable, grand abbé de Cluny, l'abbaye la plus puissante et la plus importante de l'Europe latine, se rend en Espagne et visite Tolède. Il en conçoit l'idée qu'il faut opposer une réponse aux Sarrasins, comme on appelle alors les musulmans. Il a l'impression que personne ne remet en question cette religion et ne conteste ses graves errances. À ce jour, nul ne s'est opposé à cette hérésie qui, plus que tout autre, a conduit à la damnation éternelle des corps et des âmes d'une grande partie de la race humaine. En outre, nul n'a pris la peine d'étudier la nature et l'origine de cette hérésie pestilentielle. Selon lui, la première étape pour réfuter l'islam de façon crédible sur un plan polémique consiste à acquérir des connaissances solides au sujet de cette religion. Pierre le Vénérable recrute un homme du nom de Robert de Chester, un Anglais.
C'est un grand mathématicien qui a appris l'arabe comme beaucoup de ses pairs. C'est-à-dire qu'il connaît suffisamment la langue pour pouvoir consulter les traités de mathématiques qui l'intéressent. Apparemment, Pierre le Vénérable parvient à convaincre Robert de Chester de mettre de côté ses travaux. Il accepte de se charger de l'épineuse tâche de traduire le Coran en latin. Cette entreprise s'inscrit dans le cadre d'un intérêt plus large pour de nouvelles formes de connaissances. Mais c'est aussi un moyen d'accéder au texte afin de pouvoir construire un argumentaire contre lui dans un esprit polémique. Les chrétiens accumulent les munitions. Maintenant qu'ils connaissent la vie de Mahomet, ils peuvent critiquer sa polygamie ainsi que d'autres pratiques qu'ils jugent condamnables. On n'est plus vraiment dans la convivencia. Pierre le Vénérable ouvre la voie à une attitude de plus en plus agressive et dépréciative de la chrétienté envers l'islam. Les princes chrétiens du Nord se disent qu'ils peuvent reprendre le dessus. Et l'Église de Rome pense la même chose. À la fin du XIe siècle, l'Église a déjà appelé à la croisade pour libérer Jérusalem des musulmans. Al-Andalus n'est qu'un théâtre d'opération de plus dans cette guerre sainte. L'Église veut concrétiser sa vision d'un univers dans lequel le christianisme est la seule option possible. Les chrétiens, notamment ceux de Rome, rêvent d'une polarisation en deux camps que tout sépare et d'un affrontement symbolique entre le bien et le mal, le christianisme et l'islam. Tout le contraire de ce qui a prévalu jusqu'alors. L'arrivée des Almoravides, venus d'Afrique du Nord, facilite cette distinction manichéenne entre le vrai et le faux, le chrétien et le musulman. Malgré cette aggravation des tensions politiques et religieuses, la vie culturelle continue de s'épanouir à Tolède. Au milieu du XIIIe siècle, Alphonse X, surnommé le Sage, monte sur le trône de Castille. Alphonse est qualifié de « merveille du monde » en raison de ses multiples apports intellectuels. Il y a une anecdote célèbre rapportée par un chroniqueur tardif. Alphonse aurait déclaré que s'il avait été présent au moment de la création, le monde aurait été plus réussi. Alphonse X est à l'origine de tout un corpus de littérature nouvelle en Espagne. C'est notamment grâce à lui que voient le jour les Cantigas de Santa Maria, les chansons de Sainte Marie. Il s'agit d'un manuscrit aux enluminures extraordinaires, regroupant des pièces dédiées à la Vierge Marie et illustrées de scènes de l'Espagne du XIIIe siècle. C'est un instantané de multiples aspects de la vie de l'époque que nous ne connaîtrions pas sans ce manuscrit. Ces vignettes du quotidien montrent notamment des musulmans, des juifs et des chrétiens au travail ensemble, dans une cohabitation sereine. Certaines miniatures représentent des copistes musulmans, juifs et chrétiens, en train de travailler de concert à une traduction. C'est le mouvement de traduction de Tolède. Les Cantigas de Santa Maria illustrent une Espagne de la diversité religieuse et culturelle, une terre de convivencia sous domination chrétienne. Pourtant, à la même époque, l'intolérance religieuse grandit dans la péninsule ibérique. On trouve une forme de convivencia dans les traductions produites à Tolède. Mais parallèlement, on assiste à des affrontements sanglants sous les souverains musulmans et chrétiens. Si l'on considère cette période dans sa globalité, le vivre ensemble n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Ou si c'est ça, la convivencia, très peu pour moi, c'est trop dangereux. Même à Tolède, où la diversité confessionnelle reste la règle, certains appellent à repousser l'islam, comme l'archevêque Rodrigue Jiménez de Rada. Cet ecclésiastique est l'auteur d'une histoire de la péninsule ibérique.
Ces travaux vont influencer pendant des siècles le regard des chrétiens d'Espagne sur leur passé. Rodrigo Jiménez de Rada est à l'origine de tout le discours sous-tendant la Reconquista, la Reconquête, qui a encore largement cours en Espagne de nos jours. C'est à lui qu'on doit la lecture de cette période comme une époque de conflits exacerbés entre chrétiens et musulmans. Dans ses œuvres, l'archevêque décrit l'arrivée des musulmans en 711 comme une invasion éclair et totale, ponctuée de victoires militaires écrasantes. Seule une petite vallée résiste à l'envahisseur, Covadonga, dans les montagnes asturiennes. Là, un courageux roi chrétien du nom de Pélage brave avec ses troupes une armée islamique nettement supérieure en nombre. Selon cette version, Pélage est l'homme qui renverse le cours de l'histoire. Il parvient à préserver une enclave chrétienne dans le nord. Et c'est la naissance du mythe de la survie de l'Espagne éternelle. Elle a été balayée par une vague islamique, mais ce petit îlot qui subsiste incarne l'Espagne authentique. Il réécrit cette histoire comme si les chrétiens avaient opposé dès le départ une résistance idéologique farouche aux musulmans. En résumé, ils sont arrivés en 711 et depuis 712, nous sommes investis de cette mission. Ça n'a aucun sens. Par quelque bout qu'on le prenne, le simple fait que la situation ait perduré aussi longtemps rend cette lecture complètement invraisemblable. Rodrigo Jiménez de Rada n'est pas seulement un prélat et un historien, c'est aussi un ardent défenseur des croisades. Il pense qu'avec l'appui de Rome, les armées chrétiennes pourraient chasser l'islam une bonne fois pour toutes de la péninsule ibérique. Il adresse une lettre incroyable au peuple espagnol pour l'exhorter à combattre jusqu'à la mort les envahisseurs musulmans. Sans quoi, il sera anéanti par ce fléau. Le vœu de Rodrigue se réalise en 1212, lorsqu'une coalition d'armées chrétiennes affronte les troupes islamiques, placées sous le commandement de la dynastie berbère des Almohades, à Las Navas de Tolosa. Les catholiques et les musulmans se battent en tant que catholiques et musulmans, et non comme des guerriers qui se trouvent être de telle ou telle confession. Cette vaste armée chrétienne triomphe des forces almohades à Las Navas de Tolosa. C'est une victoire essentielle, parce qu'elle montre clairement que ce sont désormais les chrétiens qui ont le dessus. Neuf ans après cette bataille, l'archevêque Rodrigo Jiménez de Rada se rend à Tolède pour reconsacrer l'église Saint-Romain. Elle est désormais la maison des chrétiens castillans. C'est une ancienne église wisigothique. Mais outre l'iconographie chrétienne traditionnelle, elle est couverte de représentations et d'inscriptions qui la placent sans ambiguïté dans un dialogue avec l'architecture islamique. Beaucoup de scènes sont bordées d'inscriptions en arabe. Les mots « prospérité » et « chance » sont répétés à l'infini. Ces calligraphies ont été ajoutées par des chrétiens et l'église a été reconsacrée avec ses écritures arabes. Cela peut nous paraître complètement contradictoire. On a vite fait de considérer que ce qui est arabe est nécessairement musulman et donc étranger au christianisme. Mais au début du XIIIe siècle, la définition même de l'identité chrétienne en Castille intègre une composante arabe. Et l'archevêque Rodrigo Jiménez de Rada ne semble pas s'en plaindre, lui qui a pourtant prêché la croisade en Espagne.
Rodrigue est lui-même un grand connaisseur de la langue arabe. Quand ses restes ont été exhumés, on a découvert un détail assez merveilleux qui ne devrait pourtant pas nous étonner. Il avait été enterré vêtu d'un habit dont le bas était brodé d'inscriptions en arabe. Même à une époque de grande hostilité culturelle et idéologique à l'égard des musulmans, un haut dignitaire chrétien peut porter un costume arabe. La victoire de Las Navas de Tolosa est la première d'une longue série qui va s'étaler sur 60 ans. L'une après l'autre, les villes musulmanes tombent aux mains des chrétiens, y compris Cordoue. Le royaume de Ferdinand III de Castille, qui règne de 1217 à 1252, finit par atteindre la Méditerranée. Seule Grenade tient encore. Son émir, Mahomet ben Nazar, fondateur de la dynastie des Nasrides, a apporté son soutien à Ferdinand III dans la conquête de Séville, en échange de la garantie de conserver une forme d'indépendance. On oublie souvent ce qui amène cette situation. C'est le dernier royaume musulman toléré par les rois de Castille. Il va perdurer 250 ans. L'émirat de Grenade connaît une extraordinaire prospérité grâce au commerce avec l'Afrique du Nord et surtout grâce à son port, Malaga. C'est une plaque tournante qui entretient des relations marchandes dans toute la Méditerranée. Il doit verser un lourd tribut au roi de Castille. Mais tant qu'il paie, il est épargné de l'anéantissement final. Dès sa fondation, l'émirat est attaqué de toutes parts. Mais malgré ces conflits permanents, même lorsqu'il se retrouve vassalisé et acculé, son rayonnement culturel demeure exceptionnel. C'est sous la dynastie des Nasrides que l'Alhambra voit le jour. Un véritable chef-d'œuvre architectural. Ce monument et le style qui l'accompagne vont inspirer l'architecture des rois castillans pendant des générations. Au milieu du XIVe siècle, deux jeunes souverains arrivent au pouvoir. Mahomet V, 16 ans, devient l'émir de Grenade. Quatre ans plus tôt, Pierre Ier a été couronné roi de Castille. Il est bientôt appelé Pierre le Cruel. Pierre Ier porte très beau, mais il est aussi irascible. C'est un forcené qui fait exécuter quantité de personnes au fil des ans. Cela dit, bien qu'il soit un psychopathe, c'est aussi le dernier des souverains castillans à considérer que la communauté juive, avec son érudition et son identité, mais aussi la culture arabe, font partie intégrante de l'identité de son royaume. Lorsque le jeune Mahomet V est contraint de fuir à la suite d'un coup d'État, il trouve refuge à l'Alcazar de Séville, où réside son ami Pierre Ier. Son séjour va avoir des répercussions importantes sur l'architecture de ce palais. Mahomet apporte une esthétique que Pierre trouve très intéressante. Ils arpentent ensemble le palais en discutant des modifications à lui apporter. Ils parlent d'architecture et échangent des idées, dont certaines viennent de l'Alhambra. La cour des demoiselles, par exemple, est un patio entouré d'arcades. On y trouve des pièces d'eau, un jardin, de ravissants carreaux de céramique très colorés et de fines colonnes. Mahomet aide sans doute Pierre à construire cette cour, dont le style est très islamique. Quelque temps après, Mahomet parvient à rentrer chez lui. Merci, j'ai passé un très bon séjour à l'Alcazar. Il retrouve l'Alhambra, mais c'est un bâtisseur, il aime ça, et il veut continuer à construire.
Il entreprend ses propres aménagements. Et ça donne la Cour des Lions, qui fait écho sans aucun doute à l'Alcazar chrétien. Il faut s'imaginer un dialogue. L'un parle, l'autre répond, puis le premier lui donne la réplique à nouveau. C'est exactement ce qui se passe entre ces deux édifices. On a affaire à un dialogue architectural dans lequel ces deux palais se répondent. À mesure des transformations apportées par Mahomet V, l'Alhambra reflète de plus en plus le penchant de l'émir pour le faste. Le complexe palatial matérialise sa conception de Grenade, un royaume qu'il veut puissant et grandiose. L'Alhambra est un monument empreint d'une grande nostalgie. Il concentre 700 ans d'hégémonie culturelle islamique sur la péninsule ibérique et paraît défier une dernière fois ce monde où les Nasrides et l'islam sont sur le déclin. Il est orné d'inscriptions, surtout des poèmes affirmant la pérennité du pouvoir du sultan. Il semble répondre à une menace sourde qui annonce la perte très prochaine de ce pouvoir. Il est important de comprendre qu'il s'agit d'une culture commune. Il n'existe pas une identité castillane à part, qui emprunte des éléments. Ce n'est pas la bonne terminologie. On a plutôt affaire à une culture partagée, où tout est intimement mêlé. L'Alhambra en est peut-être l'expression la plus exceptionnelle, mais on la retrouve aussi dans l'une des grandes synagogues d'Espagne qui ont traversé les siècles, El Transito. On la doit à Samuel Halevi, le ministre des Finances juives de Pierre Ier. L'homme est issu d'une longue lignée de conseillers influents. Samuel Halevi possède une demeure somptueuse à Tolède et fait construire une synagogue à côté. C'est une synagogue privée, mais la communauté peut venir s'y recueillir. Cet édifice témoigne d'une intrication culturelle et d'un mélange des traditions qui rappelle l'Alcazar de Séville. Bien sûr, c'est une synagogue destinée à accueillir la prière juive. Mais on y trouve des stucs qui ressemblent beaucoup à ceux de Séville. Elle porte des inscriptions en hébreu, mais aussi en arabe. Et même les armoiries de Pierre Ier de Castille. Samuel Halevi fait poser une plaque dans sa synagogue pour la dédier à ce merveilleux monarque qui l'a soutenu dans son entreprise et qui est d'une grande sagesse. Cette plaque est rédigée en hébreu, mais les armes de la couronne de Castille, le château et le lion, y figurent également. C'est essentiel. Ça nous dit que ce style qui nous semble typiquement islamique représente aussi le roi de Castille. Le peuple voit d'un mauvais œil les liens étroits qui unissent Samuel Halevi et Pierre Ier. L'un des axes de la propagande qui vise Pierre le Cruel dénonce son amitié pour les Juifs. C'est un reproche qui a été fait à tous les rois chrétiens d'Espagne. Ils laisseraient les Juifs prendre trop de pouvoir. La rumeur dit même que Pierre Ier n'est pas vraiment l'héritier au trône, mais un bébé juif glissé dans le berceau par la reine qui voulait dissimuler sa stérilité. Il est classique à l'époque d'accuser un souverain mal-aimé de philosémitisme pour le discréditer. Mais les attaques dont fait l'objet Pierre le Cruel sur ce point sont d'une violence inédite. Samuel Halevi tombe en disgrâce. Pierre Ier le soupçonne d'avoir détourné les deniers publics pour financer sa synagogue et le fait exécuter en 1360. Quelques années plus tard, le souverain est à son tour tué. «
Le demi-frère bâtard de Pierre, Henri de Trastamare, le fait exécuter. Le climat de tension qu'il alimente va déboucher plus tard sur les terribles massacres de Juifs en 1391. Après cela, plus rien ne sera comme avant. Cette série de pogroms va précipiter la fin de la présence juive en Espagne. Les premières attaques ont lieu à Séville en 1391, au moment de Pâques. Puis le mouvement est réprimé avant de reprendre quelques semaines plus tard. À mesure que les rumeurs de massacres se propagent, le phénomène proprement dit atteint d'autres villes dans toute l'Espagne, comme Valence, Barcelone ou Gérone, les grands centres de population juive. Des milliers de juifs sont contraints de se convertir au christianisme sous peine de mort. On ignore quels sont les facteurs précis qui mènent à ces massacres. Mais une bonne partie des événements de la seconde moitié du XIVe siècle peuvent être interprétés comme une conséquence indirecte des ravages causés par la mort noire, l'épidémie de peste de ces années-là. La peste noire est un événement sans précédent pour l'Europe. Une sorte de fléau envoyé par Dieu auquel il faut trouver une explication et qui provoque une crise profonde. Quand on voit mourir un tiers de la population, on a besoin de réponses. Et pour les chrétiens, il est logique d'interpréter les choses dans une perspective messianique et apocalyptique. La fin des temps est censée s'accompagner d'un certain nombre d'événements, notamment le massacre ou la conversion en nombre des Juifs. Les événements de 1391 sont donc une tentative de précipiter l'Apocalypse en forçant les Juifs à adopter le christianisme. Les Juifs vont demeurer encore un siècle en Espagne. Mais l'idéal d'une coexistence des trois principaux monothéismes dans une culture unique est bel et bien révolu. Bientôt, les musulmans sont eux aussi pris pour cible. Grenade, le dernier émirat de la péninsule, est à son tour attaqué. L'Espagne se voit de plus en plus comme le rempart de l'Europe contre l'islam. L'idéologie montante veut que les rois chrétiens soient là pour purifier l'Espagne des menaces que représentent l'islam et le judaïsme. Une alliance est scellée en 1469 contre Grenade. Destinée à parachever la reconquête du territoire espagnol, elle va former l'embryon de l'Espagne moderne. C'est la réunion des deux principaux royaumes espagnols, Castille et Aragon, qui ouvre le dernier acte de ce drame. Point important, ce rapprochement ne passe pas par les armes. Ferdinand II d'Aragon épouse Isabelle Ière, reine de Castille. Leur mariage permet pour la première fois d'unifier réellement les royaumes chrétiens. Pendant 10 ans, Ferdinand et Isabelle font assiéger Grenade, jusqu'à la capitulation des Nasrides. C'est la fin du pouvoir musulman dans la péninsule ibérique. Les musulmans deviennent des sujets des rois catholiques, le titre conféré à Ferdinand et Isabelle par le pape après leur victoire sur Grenade. Ils se voient accorder un statut protégé, celui de mudéjar. Le traité de capitulation accorde aux musulmans la liberté de culte et le droit de se vêtir comme ils l'entendent, c'est-à-dire de continuer à vivre en musulman. Le traitement réservé aux juifs est moins indulgent. 3 mois après la prise de Grenade, en 1492, les rois catholiques promulguent le décret de l'Alhambra qui pose un ultimatum aux juifs. Ces derniers ont 4 mois pour se convertir au christianisme ou pour quitter l'Espagne sans espoir de retour. Tout juif qui n'obéirait pas à cet édit et serait trouvé en nos royaumes et domaines,
ou qui retournerait dans le royaume de quelque manière que ce fût, encourra la peine de mort et la confiscation de tous ses biens. Des dizaines de milliers de Juifs quittent l'Espagne à jamais. Les mudéjars musulmans restent tolérés dans un premier temps, protégés par leur statut. Mais les difficultés ne tardent pas à se faire jour. La montée de l'intolérance prend de telles proportions que le statut des mudéjars finit par être abrogé. La population musulmane subit donc le même sort que les Juifs en 1492 et doit choisir la conversion ou l'exil. La plupart des musulmans aisés plient bagages. Ceux qui restent se convertissent au christianisme, du moins en théorie. Ils continuent à se vêtir de la même façon, à manger comme auparavant et à parler arabe. En somme, ils conservent leur identité. Il reste beaucoup d'incertitudes autour du statut religieux des morisques, comme on appelle les anciens musulmans qui ont été contraints de se convertir. Curieusement, les morisques se retrouvent stigmatisés pour leur mode de vie, leur culture et leurs pratiques, bien plus qu'ils ne l'étaient auparavant en tant que sujets musulmans. L'utilisation de la langue arabe, à l'oral ou à l'écrit, est mal vue, de même que la fréquentation des hammams. Tout cela fait que les morisques ne sont pas vus comme de bons chrétiens, ni comme de bons espagnols. La chrétienté voit se réaliser son rêve, mais cette consécration apporte aussi son lot d'incertitudes. Après avoir forcé les musulmans à se convertir, les chrétiens doutent de la sincérité de ces conversions. Est-ce vraiment étonnant? Il faut trouver une nouvelle réponse à ces craintes. Ce sera bien sûr l'Inquisition. Ferdinand et Isabelle ont instauré le tribunal du Saint-Office de l'Inquisition espagnole dès 1478 afin de préserver la pureté de la foi chrétienne. Après la conversion forcée des musulmans et des juifs ou leur départ contraint, l'emprise de l'orthodoxie religieuse se renforce encore. Au nom du christianisme, l'Inquisition emprisonne, questionne, torture et fait brûler des milliers d'Espagnols soupçonnés de continuer à pratiquer en secret leur religion antérieure. Les Espagnols sont parmi les derniers chrétiens d'Europe à adopter l'idée que les chrétiens ne peuvent pas coexister avec les juifs et les musulmans sur leur territoire. Et ils mettent en œuvre ce principe avec fanatisme. Le concept d'un royaume purement chrétien ou purement musulman a toujours existé comme un idéal dans ces deux religions. D'une certaine façon, ce rêve devient réalité avec l'Espagne chrétienne. Mais sa nature a changé. On peut presque dire qu'il s'est mué en cauchemar. Près de 800 ans après l'arrivée des musulmans en Andalousie, l'ère de la convivencia se termine brutalement et dans le sang. Cette fin traumatisante ira jusqu'à éclipser dans les mémoires la véritable histoire de cet âge d'or andalou. Ensemble, musulmans, juifs et chrétiens ont bâti une culture unique, dont l'héritage littéraire, musical et architectural nous émerveille encore aujourd'hui. De nos jours, l'Espagne reste le fruit de ces trois cultures imbriquées. Et d'un point de vue ethnique, ses habitants sont issus de ce mélange de peuples qui a produit une civilisation et une culture d'un genre nouveau. De la fuite d'un prince omeyyade jusqu'à notre époque, le pays a conservé bien des traces de cette culture.
L'expérience de la convivencia, à la croisée des trois principaux monothéismes, fait pour certains figure d'idéal et reste une passionnante source d'inspiration.